Le samedi 27 juin, ça ne sera pas carnaval autour du château d'Angers, mais il faut se préparer à vivre une grande journée médiévale pour fêter les 600 ans du roi René. Animation et déambulation dans les rues sont prévues en costume. Et justement, la réalisation de ces pièces d'époque a été confiée aux différents quartiers de la ville. Ici, à la Maison pour tous de Montplaisir, on coud, coupe et surpique. C'est une robe que les dames de cour portaient en 1409. En fait, on s'est inspiré d'un très beau portrait de Petrus Christus de l'époque. Ce portrait, le voici. C'est une styliste venue spécialement du Mans qui coordonne la réalisation des dizaines de tenues différentes qui vont habiller écuyers, cuisiniers ou encore dames de compagnie. On a essayé d'être le plus fidèle possible, mais en même temps, le travail des couturières, j'ai quand même essayé de le simplifier. C'est-à-dire que parfois, il y a une énorme erreur chronologique, c'est qu'on va trouver les fermetures éclair. Mais on va essayer de les cacher. Le costume du roi René s'annonce grandiose, mais chut, il est encore secret. En revanche, les costumières sont à pied d'œuvre pour réaliser le carapaçon qui habillera son cheval.